Alors, vous allez devoir choisir la langue que vous souhaitez. Je crois que vous le voyez à l'écran. Et on vous propose en bas, il y a sur votre écran en bas, vous pouvez choisir la langue. Et donc, à ce moment-là, prenez le français si c'est ça que vous voulez écouter. Voyez qu'il y a marqué l'icône interprétation. Et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Dans ce cas-ci, c'est soit l'intervenant qui sera en anglais, soit en français, soit en portugais. So hello and welcome once again. We Bonjour à will tout le monde. started now. On va commencer. If you will be participating in English today, Si vous participez en please be anglais, sure to select the English channel by clicking assurez-vous on de the choisir Zoom icon le canal at the anglais. bottom of your screen. En bas, comme je You vous l'ai can dit, il y a une select icône English from the list. interprétation et At vous allez voir qu'il y a see an trois interpretation possibilités. button. You might try clicking on the button labeled Si vous ne More voyez pas and then select l'interprétation, Interpretation cliquez sur Plus in et vous English. voyez là que vous allez voir l'interprétation. Just give one moment for everyone to On vous donne get un to instant their pour preferred pouvoir audio channel. choisir la langue de votre choix. J'espère que vous écoutez le français. Si vous êtes intéressé par la langue française, je suis Carla et je vais être votre interprète Okay. pour aujourd'hui. So hopefully we are now all where we would like to Je be. crois que nous sommes arrivés. So Tout le I monde will est begin by connecté, donc je vais briefly introducing commencer myself for anyone who en me doesn't présentant. know. I have not met already. My name is Teresa Je suis Blumenstein Teresa. and I am the global Et coordinator for je the suis la group that is coordinatrice facilitating the discussion today, pour which le is groupe, J-COR. donc Or pour the le Justice GCOR. Coalition of Religious. C'est la coalition JCOR is pour a la justice des 22 religieux. non-governmental organizations Cela who regroupe are des directed NGO to represent Catholic qui sisters, représentent brothers, nieces, des sœurs, des other prêtres, partners etc., at the et United des Nations. partenaires aux Nations And Unies. we are gathering for this Nous nous rassemblons conversation at a very pour busy cette moment discussion in à un moment year of the très, United très Nations, occup which is où the les Nations Unies sont conference très called occupées the Commission on the Status of parce Women, que on and that discute issue sur le statut des focuses femmes on gender equity et and the cela empowerment concerne of all l'égalité des women in sexes, births. l'autonomie des femmes et des So filles. each year, C'est this un conference sujet chooses a qui se répète specific tous les ans et tous theme, les ans, un nouveau which thème est is choisi. selected Cette année, il to s'agit focus de the conversation because this year l'innovation, touches so many other, well, really every la technologie et aspect l'éducation of numérique. life. Alors, bien So sûr, this year, the theme that was cette selected année, was donc, innovation, nous avons, qui a technology, été choisi, pardon, and a digital été innovation, l'innovation, la technologie et and l'éducation numérique. particularly the way that all of Et tout these particulièrement, domains interact with comment tout gender. ceci interagit, par So rapport au genre. questions that are being considered throughout these 2 weeks of conversation and Il y a eu engagement des conversations, il y a are eu things like des how discussions. do innovation and technology Et on se promote pose la question, comment gender equality? l'innovation, How are women and girls serving as leaders in the comment areas les of femmes, les technology and filles innovation? jouent-elles un rôle de premier plan dans les domaines, dans ces domaines-là, How can pardon, technology or comment la innovation technologie et ou actually make l'innovation inequalities greater? aggravent les Because we know that inégalités not entre only femmes et hommes. in a helpful way, sometimes they're making things harder or harmful. So in our time together today, Dans le temps que nous avons you are all ensemble, welcome to take this theme into consideration if you nous devons wish. considérer ce thème si nous le souhaitons, But you are not limited mais to nous ne devons just pas nous picking a theme limiter in à any way. cela. Because as NGOs at the UN, En tant it is qu'ONG your aux Nations role Unies, to not only respond notre to rôle ne consiste pas international seulement à input apporter une on réponse, à une topics that contribution matter, par rapport à des but it is sujets also our spécifiques. role to shape Notre the rôle policy est agenda d'aider à façonner and the l'agenda des Nations activity Unies to en attirant the activity l'attention of UN leaders de to ses some things that dirigeants we find sur des sujets que concerning nous estimons and être also préoccupants important. et ou importants. And so for that reason,
C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à réfléchir à deux questions plus générales, plus amples, qui concernent la discussion d'aujourd'hui. Et les questions: quels sont les domaines qui préoccupent le plus les femmes et les filles dans votre pays, votre communauté? Et la deuxième question: quelles sont les petites victoires et ou les progrès dont vous avez été témoin ces dernières années dans votre pays ou votre communauté? Quelles sont ces petites victoires qui parlent en faveur de l'égalité des sexes? Je vais vous le faire voir à l'écran et nous allons prendre quelques minutes afin de pouvoir y réfléchir, avant de pouvoir partager. Mais avant de faire notre réflexion personnelle, je souhaiterais vous inviter à une prière d'ouverture. To your cross, O God, we come. À ta croix, ô Dieu, nous venons chercher la guérison, car toi seul peux nous guérir. Nous venons le cœur et l'esprit brisés, car toi seul peux nous guérir. Nous venons brisés dans notre corps ou dans notre esprit, car toi seul peux nous guérir. Nous venons avec des relations et des promesses brisées, car toi seul peux nous guérir. Venons avec des systèmes brisés qui nous lient dans un péché structurel, car toi seul peux nous guérir. Nous venons à ta croix, ô mon Dieu, pour être guéris, car seul ton amour peut faire de nous des pains brisés pour les autres. Et ceci est adapté d'un texte de David Adam. Encore une fois, nous allons prendre quelques minutes pour réfléchir de façon individuelle sur deux questions. Quels sont les domaines qui préoccupent le plus les femmes et les filles dans votre pays ou dans votre communauté? Les défis, les problèmes. Et puis, deuxième question, quelles sont les petites victoires et ou progrès dont vous avez été témoin ces dernières années dans votre pays ou votre communauté qui parlent en faveur de l'égalité des sexes? Donc, les défis et aussi les progrès. Prenez quelques minutes afin de pouvoir réfléchir et ensuite, nous allons partager et commencer cette session. Je vous ai inclus sur le chat les deux questions pour que ce soit plus facile pour vous.
Hey, welcome back from reflection, everyone. Bien, nous allons reprendre. Encore une fois, si vous êtes à peine arrivé, nous allons commencer un partage sur ces deux idées que vous avez pu voir sur l'écran, domaine de préoccupation, de défi, en ce qui concerne les droits des filles et des femmes, et aussi les questions d'espérance, des progrès, des bonnes nouvelles concernant l'égalité
des genres. Et maintenant, nous passons au partage. Est-ce que quelqu'un qui souhaite répondre à ces deux questions ou bien à une de ces questions, vous pourriez lever la main, s'il vous plaît. Et ainsi, nous pouvons partager nos pensées avec le groupe. Toutes les idées sont les bienvenues. Et parler de votre expérience, qu'elle soit au niveau d'une communauté, au niveau du pays, et même à l'extérieur de votre pays. Vous pouvez partager selon le lieu où vous habitez aussi. Donc, quelqu'un veut commencer? Ne soyez pas intimidés. Nous sommes un tout petit groupe. Donc, si vous voulez commencer. Maybe I will put the interpretation channel instructions on the screen one more time in case that's helpful. And again, for anyone speaking English, please select the English channel by clicking on the interpretation button and selecting English. Or if you don't see that, by clicking on the more button, then select interpretation and English. And for those just joining us, we are considering these two big questions. Bien, on remet les questions pour que vous voyez un peu. What are the areas of deep concern for women and girls in your country or community? Voilà, vous voyez les questions. And what are the areas of progress or small victory toward gender equity that you've witnessed, voilà,
in your vous allez pouvoir regarder. Et dans le chat, vous avez les questions aussi. Hein, je les ai incluses. Hein. Vous les voyez défiler dans les différentes langues. Mais sinon, si vous regardez votre chat, il y a les questions que je les ai indiquées également. On cherche un courageux, une courageuse, afin de débuter ceci. Si vous avez même des commentaires par rapport à, même à vos expériences, nous avons tous à faire face à ces questions de genre, là où nous sommes, et comment nous interagissons, et comment cela interagit avec les différents domaines dans notre vie. L'accès à l'éducation, l'accès aux finances, l'accès à la banque, au terrain, au territoire, au leadership. Tout commentaire sur n'importe lequel de ces domaines est le bienvenu. So would someone be so kind as to offer a first comment for us? Yes, please, Hortense. Alors, Hortense. Thank you very much. I'm very happy to be part of the panel. Je suis heureuse de faire partie de cette réunion. Je vais parler de ma propre expérience. Qu'est-ce que je vois comme progrès au niveau du genre? Alors, les gens sont plus conscients que les hommes et les femmes sont égaux face à Dieu. Il y a cette conscience. De plus en plus, les parents envoient les enfants à l'école, que ce soit des filles ou des garçons. Mais s'il y a un choix à faire, souvent, on choisit les garçons. Et on le pousse autant que faire se peut. Aux filles, on donne les bases. C'est-à-dire qu'on lui donne l'éducation primaire, mais ça ne va pas au-delà. Donc, le choix sera toujours plutôt sur le garçon. C'est difficile parce que nous, femmes, en tout cas, on nous a dit en tant que petite fille, nous étions le sexe faible et on a grandi avec cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi on nous a dit ça. Et on a tellement intégré cette idée en nous-mêmes qu'une femme dans un groupe, eh bien, si on est avec des hommes, on pense qu'on est plus faible qu'eux. Et même si on est 10 et il n'y a qu'un seul homme, on pense la même chose. C'est dommage, mais c'est la réalité. On doit travailler sur cela nous-mêmes parce que ce n'est pas vrai. On nous a dit cela, mais cela n'est pas vrai. Et cela fait en sorte que nous n'avons pas les bons emplois. Par exemple, si un homme souhaite être engagé pour un travail, eh bien, c'est plus facile qu'ils l'obtiennent. Nous, on est plus faibles et donc on aura plus difficilement ce travail. Au niveau religieux, pareil, dans la conférence des supérieurs majeurs, il y a plus de 200 congrégations féminines et 10, par exemple, masculines. Et même si on est 200 femmes, 200 congrégations féminines ont choisi un homme pour nous chapeauter. C'est vraiment dommage. En tant que femme, on doit faire en sorte de faire voir que nous sommes là. Il faut qu'on soit respecté. Il faut qu'on se respecte aussi nous-mêmes. Il faut qu'on se donne plus de valeur. Et il faut avoir confiance en les femmes. Parce que souvent, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous ne croyons pas que nous avons des dons, des talents. Et nous continuons à donner aux hommes une place qui n'est peut-être pas la leur.
En tout cas, je parle de mon expérience. Merci. Thank you, Hortense. And can you tell everyone, merci, Hortense. De quel pays es-tu? À quelle congrégation appartiens-tu? Je suis au Cameroun et je suis des sœurs de la Sainte Union. Il y a une forte relation entre deux choses, opportunité d'éducation et le courage de parler ou bien de devenir un leader. Ceci est relié. Souvent, on voit les leaders comme ceux qui sont les plus formés, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut encourager les femmes, les filles, afin qu'elles reçoivent plus d'éducation, les aider, et d'un autre côté, et les aider à aussi à devenir des leaders, ou du moins à prendre des places de relevance, et voir c'est la relation entre ces deux domaines. Donc, quelqu'un d'autre veut se lancer? Bonjour. Je peux parler? Oui, oui, allez-y. Please, oui, Lauriane. Oui. Dans notre pays, partant de l'expérience que j'ai dans notre pays, la RDC, les domaines les plus sensibles pour la femme et la jeune fille, c'est le domaine de l'éducation dans les milieux ruraux. Les filles ou les femmes qui sont dans les milieux ruraux ont des difficultés pour l'éducation. Alors, c'est ce qui entraîne le pourcentage le plus élevé de filles mères. Nous avons beaucoup de filles mères qui ne sont pas encore mariées, mais qui ont beaucoup d'enfants et n'ont plus le goût de faire des études. Alors, c'est un peu ça mon apport par rapport aux femmes et aux filles qui sont dans les milieux ruraux ou bien dans les banlieues. Ils ont des difficultés, ou bien dans les provinces les plus reculées dans notre pays, ils ont des difficultés pour la scolarité, pour l'éducation. Alors, cela les entraîne à être de mères avant l'âge et à être des analphabètes. Ils ne connaissent pas parler. Voilà un peu. Ce qui a évolué dans notre pays pour la fille, pour les filles et les femmes, c'est par rapport dans les villes de la RDC, dans les villes de la RDC, les femmes qui sont dans les villes et sont souvent scolarisées et ils partent à l'école et ils ont des emplois, même si le pourcentage est vraiment inférieur par rapport aux hommes, mais quand même, il y a des femmes qui sont dans la politique et dans l'administration. C'est quand même un petit pas par rapport à l'égalité. Il y a quand même un faible pourcentage de femmes qui sont engagées. Mais par contre, ceux qui sont dans les provinces ou les milieux reculés n'ont pas la même considération. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, Lauriane. That's a good, important observation. Merci beaucoup. C'est une très bonne observation, cette différence. Pas seulement entre les genres, mais aussi entre les personnes qui sont dans des milieux ruraux et ou dans les villes. Tu as dit que tu es du Congo es-tu d'une congrégation religieuse? Travailles-tu avec une congrégation religieuse? Vous avez écouté madame ou ma sœur? Vous appartenez à quelle congrégation et où vous travaillez avec quelle congrégation?
Okay. Then we will continue on in our discussion. Bien. On va continuer. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir concernant les préoccupations, les défis, les progrès? Am I audible? Yes, please. Go ahead. Okay. So I came with the idea that somebody will be presenting, that I will be participating. Alors moi, je pensais qu'il y aurait une présentation et que moi, j'allais participer, mais voilà, j'ai réfléchi sur les questions. Et je suis un peu confus, mais je vais offrir ma réflexion. First of all, I would like to appreciate the efforts that even you have taken the registration form. Now, the other years, I saw the first column. Alors, les autres années, il y avait toujours un homme, mais cette fois-ci, c'est une femme qui dirige cet atelier ou ce Zoom. Je suis un missionnaire clarétien d'Inde et je suis actuellement en Malaisie. Concernant les préoccupations, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais peu à peu, les femmes sont plus acceptées dans des postes de leadership. Alors, je vois de plus en plus cela, mais ce n'est pas encore assez. Souvent, on limite les femmes ou on les enferme dans les maisons. On n'a pas besoin d'hommes pour contrôler les femmes. On n'a pas besoin d'hommes pour contrôler les idéologies des femmes. Les femmes doivent lutter, s'exprimer, parler contre ce système. Nous essayons nous-mêmes de faire en sorte que les femmes aient une voix. Et on demande à ceux qui veulent contrôler de parler aussi. On a des programmes consacrés aux femmes. Et on doit faire en sorte que le système leur permette une plus grande participation. On souhaite avoir plus l'idée qu'apportent les femmes, des leaders femmes. Souvent, on a seulement l'idée et les perspectives masculines. On veut avoir davantage d'idées, de perspectives, d'interprétations féminines. On veut que les femmes, leurs idées du monde, les femmes leaders se manifestent. On souhaite que les femmes se lèvent et s'expriment, mais il faut qu'elles fassent, même peut-être avec notre collaboration. Je sais que tu es un clarétien et merci
pour être ici parmi nous. Tu as mentionné quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'il y ait un partenariat entre hommes et femmes afin que les femmes puissent prendre un peu plus le pouvoir. Peu à peu, les femmes ont un peu plus d'importance dans notre société. Parfois, lorsqu'on a même une classe avec que des filles, eh bien, les textes ou les livres ont été écrits par les hommes. Donc, il faut porter une attention particulière à certains domaines pour changer notre mentalité et faire entendre la voix des femmes en tant qu'éducatrices, en tant que personnes sages, en tant que personnes qui ont quelque chose d'important à partager dans leur communauté. Merci pour en avoir parlé et pour avoir et aussi pour le travail que tu fais au niveau de l'égalité de genre là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Domaine de défi, domaine de progrès concernant l'égalité des genres, là où vous vous trouvez dans le monde, quelle que soit votre expérience. Hi Teresa, greetings everyone. Hello Sarah Zai. Hello. Yes, I would also like to just add on the issues of. Je souhaiterais ajouter quelque chose par rapport aux politiques. Les politiques dans nos pays doivent protéger les femmes. Si par exemple une étudiante est enceinte, il faut qu'elle puisse continuer avec son éducation. Parfois, elle est stigmatisée et donc elle est écartée. Un autre sujet est celle de l'éducation des filles. Quand les filles arrivent finalement à l'université, eh bien les domaines qu'elles choisissent sont différents de ceux des hommes. Elles choisissent plus les domaines de la formation, les sciences humaines. Par exemple, elles trouvent que c'est plus difficile d'assumer des rôles de leader. Et lorsqu'il s'agit d'avoir des postes, disons, plus payés, plus rétribués et, disons, meilleurs, souvent c'est les hommes qui les obtiennent. Il y a un défi auquel il faut confronter les femmes. Et puis aussi dans les campagnes, encore une fois, on privilégie les garçons au niveau de l'éducation. La tradition, la culture veut que le garçon puisse être avantagé par rapport à la fille. Et il faut que les femmes puissent prendre le pouvoir, même dans ces lieux. À la campagne, en fait. Je suis du Zimbabwe et je suis une sœur. J'ai pas entendu. Bien, on voit plusieurs parties du continent, c'est bien. Tu nous as parlé. Du fait
que lorsqu'une femme tombe enceinte, eh bien, ne doit pas être exclue de l'éducation. Il faut faire avoir un environnement sûr et elles doivent avoir la possibilité de continuer leur formation même si elles tombent enceintes. J'ai aussi aimé ton commentaire concernant les stéréotypes. Comme ça a été mentionné avant, les hommes sont plus forts, c'est les leaders. Ils étudient certaines choses et pas les femmes. Et c'est une limite pour les hommes et les femmes, car il y a certainement des hommes qui peuvent se passionner pour tout ce qui est artistique ou les sciences humaines, et puis des femmes qui peuvent être très attirées par les maths ou les sciences. Ce sont des stéréotypes qui ne sont pas favorables, car il faut utiliser nos propres dons, nos propres capacités. Quelqu'un d'autre souhaite partager une réflexion? Ou bien est-ce que quelqu'un souhaite aussi répondre à ce que vous avez entendu, c'est-à-dire à ce qui a été dit? Okay, if there are no further Bien, s'il n'y a plus d'autres commentaires, alors je vais nous inviter à prier. Je voulais vous remercier encore une fois pour être présent, pour partager vos expériences, vos observations. Nous avons des notes, nous avons des enregistrements et nous allons faire en sorte que ceux qui collaborent avec nous puissent prendre en considération ce que vous avez partagé et surtout concernant ce sujet de l'égalité des genres. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour apporter votre voix dans cette conversation plus globale aux Nations Unies. Et je souhaite également remercier nos interprètes, Carla et Galia, qui nous ont permis de pouvoir avoir cette conversation à travers les continents. À présent, nous allons conclure par une prière. And as we enter into this prayer, I want to Alors que nous commençons cette prière, je souhaite nommer l'artiste qui a fait ses dessins. Sœur Suzanne Daly, membre de l'Institut de la Sainte Vierge Marie, elle est de l'Australie et elle a créé toutes ces images pour cette année. Elles ont été inspirées par le thème de cette année. And so now we pray together. À présent, nous prions. God, we look around us and we see Dieu, nous regardons autour de nous et nous constatons que nous nous trouvons dans l'œil du cyclone.
Devant nous s'étend une route en direction d'un monde où règne la justice entre les sexes. Il n'est possible d'avancer que si nous répondons avec humilité, aimons généreusement, rions à gorge déployée et nous réjouissons dans le cœur de la tempête. Aide-nous à tracer et à avancer sur un chemin visible pour soutenir les femmes et les filles qui viendront après nous. Fortifie nos cœurs et nos mains pour accomplir notre tâche. Amen. Amen. Merci encore une fois à tout le monde. Hope to see you again soon. Et j'espère vous revoir lors d'une autre conversation sur un autre sujet. Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois. Plus tôt qu'aujourd'hui. Donc, quelle que soit l'heure pour vous, eh bien, c'est une heure plus tôt. Pour les, c'est une fois par mois. But in any case, second Friday of every month, we have. Le deuxième vendredi de chaque mois, nous avons une conversation ouverte et nous partageons sur une variété de sujets. Donc, si cela vous intéresse, j'espère que vous allez vous inscrire et vous trouverez tous les détails sur le site web. Je vais mettre cette adresse sur votre chat. Donc, vous ouvrez le petit carré plus et puis discuter et vous allez voir qu'elle va insérer une adresse mail que vous pourrez, à laquelle vous pourrez aller pour essayer de participer. Merci à tout le monde, merci et puis à une prochaine fois. Au revoir.